Les deux équipes le savent, cette demi-finale, c'est tout simplement la dernière marche à gravir pour avoir le droit de jouer la finale de la compétition. Pas le choix, il va falloir tout donner pour y accéder. Tout de suite, cette demi-finale de l'Euro. Salut à toutes et à tous, nous sommes à la Düsseldorf Arena. Peu importe où que vous soyez, la team Dada est toujours heureuse de vous accueillir. Et l'enjeu, bien sûr, maintenant, c'est cette demi-finale avec un billet pour la finale à aller chercher. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. L'émotion, ce n'est pas un obstacle, c'est un allié. Et il doit te libérer plutôt que d'être enfermé. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, Jude Bellingham sera épaulé par Declan Rice au milieu et enfin Harry Kane en pointe. Et on va s'intéresser à la composition de cette équipe. Dans le but, c'est Yann Sommer. Troiler sera associé à Granit Xhaka au milieu de terrain. Et pour conclure, c'est donc un trio offensif. Harry Kane. Le ballon pour Alexander Arnold. Bellingham. C'est pour Alexander Arnold. Oh là là, la faute là, la faute sur cette attaque. Qu'est-ce que va dire l'arbitre maintenant? Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. C'était pas fini. Ah, et donc l'action s'arrête là. Hé, hey, poteau, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage? Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Le ballon change de pied. Oh, l'interception très haut sur le terrain. L'occasion de prendre l'avantage. Elle a frappé contrée. Freuler. Pour Freuler. Elle s'est finalement dégagée. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Harry Kane. Alexander Arnold. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Et ça joue sur Trippier. Ballon pour Alexander Arnold. Ballon pour Kieran Trippier. Et c'est pour Bellingham. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Elle centre en retrait dans la surface. Oui, la parade. Le bon centre en retrait. Phil Foden reçoit le ballon. Eh oui, signalé hors-jeu par l'arbitre. Trop statique, faut être plus attentif. Eh oui, sans mouvement, sans appel des balles, c'est l'hors-jeu assuré là-dessus.
Mer. Et oui, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. On est à tête là, peut-être un centre. A toujours en possession du ballon. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Kane. Le ballon vers Bellingham. Alexander Arnold. Bellingham. Ça joue sur Harry Kane. Walker en possession du ballon. Avec Saka. Dans les bras du gardien, sans problème. Endoy. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Alexander Arnold avec le ballon. Avec Saka. Et c'est pour Alexander Arnold. Et hors jeu là, signalé par l'assistant. On l'a vu faire l'effort pour se remettre en jeu. Mais ce ballon est parti trop vite. Ah, c'est pas bien relancé ça. Saka. La balle vers Freuler. Une offensive qui peut amener quelque chose là. Remo Freuler. Rodriguez. Le ballon qui est récupéré par Saka. Et ça joue sur Saka. En retrait dans la surface. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Bon espace à utiliser sur le fond de la défense. Oh, il y a danger là. Pour Freuler. Ah, tout seul, il faut marquer. Et le gardien était bien vigilant. C'est bien parti pour ce corner. Intervention et donc danger écarté. Bien défendu, le ballon est récupéré. Et le bon centre là peut-être. Eh bien donné ce ballon. C'est dommage parce que cette balle placée avait quand même quelques qualités. Et son principal défaut, c'est qu'elle est à côté. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Foden. Ça continue avec Rice. Ah, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ça joue sur Trippier. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon.
Oui, sans commettre de faute. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Pour Freuler. Freuler. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Harry Kane. Le ballon pour Jude Bellingham. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Saka. Et Bischer. Ballon perdu, c'est rendu même. Kane. Alexander Arnold. Ballon Bellingham. Kieran Trippier. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Et oui, c'est dangereux. Et ça y est, le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Il y a la conclusion, il y a Harry Kane. On le sait, il est très ami avec le but. À ces distances, encore plus. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ndoye. Ah, sous pression mais excellente couverture. Mbolo. Il faut bien négocier ce ballon là. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Ballon vers la surface. Le ballon est écarté. Akanji. Cher. Attention pour égaliser. Oh, c'est contré. Bellingham. Phil Foden reçoit le ballon. Il progresse là, Phil Foden. Foden. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Et une possibilité là pour centrer. Bonne intervention, la passe est interceptée. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Vargas. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Kieran Trippier. Passage joue sur Harry Kane. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Et l'arbitre qui intervient pour signaler ce hors-jeu. Ce n'est pas très bien joué au niveau de la passe. Il aurait dû temporiser un peu plus. Le changement est demandé et il a lieu. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Freuler. Les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. Il y a danger parce que là il y a un centre et c'est capté là sans trop de problèmes. La mauvaise relance, c'est récupéré par l'équipe adverse. Akanji.
L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Ah non, ce ballon est perdu. Foden a excellente couverture de balle pour résister à la pression. Ballon pour l'Angleterre qui peut se projeter. Et ça joue sur Harry Kane. Et c'est pour Bellingham. Et c'est encore pour Harry Kane. Phil Foden, magnifique ce contre. Bellingham, ça passe par Declan Rice. Alexander Arnold. Declan Rice. C'est pour Alexander Arnold. Trippier. Alexander Arnold. Et attention à cette frappe. Goal, 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 goal. L'écart qui se creuse. Peut-être, définitivement. Les voilà presque en finale. On le revoit ce but, mais quand en plus de la puissance de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse, c'est une action absolument incroyable. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Raymond Freuler. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Okafor. Elle a frappé contrée. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre a sifflé. Les Three Lions se qualifient pour la finale de l'Euro 2024. Dans cette qualification, il y a une fausse sensation de facilité, sans doute à cause de ces deux buts d'écart. Mais il n'y a rien de plus difficile que de rendre les choses faciles. C'est leur talent qui rend les choses plus simples. Jude Bellingham, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, évidemment. Tout ce qu'il a fait, c'était juste. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers.